À Borny, la foire de la Saint-Gilles se tenait le 2 septembre, place du marché. Bœufs, vaches, cochons, chevaux et ânes s'y côtoyaient. Cette foire était très fréquentée par les habitants du canton. Les Loire-Montrains arrivaient la veille par bateau, portant bouquet et mât. Ils chantaient en accostant au bouquet. Le père Miquet et les paysans du canton, massés sur le mur, les attendaient avec impatience et les applaudissaient dès leur arrivée. Descendus à terre, des groupes brillants de Loire-Montrains visitaient la ville. Le soir venu, et souvent jusqu'à l'aube, ils exécutaient les danses de leur pays sous le regard amusé des habitants de Borny. De poissons séchés, très appréciés de la population. Ils repartaient le lendemain avec une nouvelle cargaison en pensant déjà à la prochaine fois. Thank you.
Oh, okay.